Ok, on est reparti. J'ai dû faire. Ah! J'ai dû faire une petite pause et du coup. Du coup, on a coupé. Donc, nous, on était. Je sais même plus où on allait. Désolé. Crochetage, grippin, crochetage, ville fantôme. Ville fantôme, ok. C'est parti. Nos mecs sont bons ou pas là? Ah oui, c'est vrai que lui, on sait pas trop. Je sais pas comment les équiper eux. C'est un peu des. Les moins bons en fait de notre équipe au final. Les moins bons et les moins utiles. En combat. Mais bon, après, ils ont pas besoin d'être extra non plus, hein, comme j'ai dit. À 4, on se débrouille très bien. Donc ils n'ont pas besoin d'être super extra forts. Si on passait par là... Oula. On va peut-être aller regarder un peu à gauche après. Ah, ça fait le tour. Ah, ok. This message is from the North American Air Defense Command. This is an attack warning. Repeat. This is an attack warning. A nuclear attack is now underway. Chut, radio. Ok, non, ça va, ça va. Pardon. On y arrive. Puis le fantôme. C'est quoi ce bruit? Chat. Ah, il faut faire attention, peut-être qu'il y a des bestioles qui sont venues. Non, ça a l'air d'être ok. Ok, parfait. Ça marche, on a un jeton. Par contre, il y a un truc pour... le jeton là, ce que je dirais que c'est peut-être le seul truc où je vais peut-être sauvegarder et recharger, genre recharger le la partie pour avoir un meilleur truc. Ça dépend, je sais pas. Ça c'est quoi, angle du cône, portée 5 mètres, ça va sur quoi? Ça peut être pas mal pour les lance-flammes par contre. Genre le cône il est moins grand, mais la portée elle est plus grande. Ça peut être vachement intéressant sur, sur un lance-flamme, enfin de la façon dont je l'utilise. Ouh, bon, on a trouvé un nouveau pistolet, c'est bien. On a trouvé un bon truc là. Je vais voir si ça marche sur... ouais, ce serait ça. Ouais, ça serait pas mal, ça. Ça m'intéresse. Fusil à pompe et lance-flamme. Donc on aurait moins de... L'angle, il serait moins large. Mais la portée serait mieux. Ça m'intéresse. Je sais pas si... Qu'est-ce qu'on fait? On le met maintenant? Enfin, je crois pas qu'on puisse... On peut pas le construire de toute façon. Donc... donc ça serait bête de le gâcher, j'ai envie de dire, entre parenthèses, de l'utiliser maintenant. Moi je voudrais bien, mais...
encore une fois, c'est pas vraiment. On sait pas vraiment. Putain, langue du voyage. Portée 3 mètres. On sait pas quelle arme on va garder en fait. Non, je peux pas le construire, je le vois pas. On peut construire des trucs qui augmentent la portée. Ça oui. Ça, non. Du coup, non, ça c'est augmente la portée. Et il faut un choc extra full. Je sais pas. Il faut peut-être l'acheter ça. Ah, peut-être des trucs qu'il faut peut-être acheter. Je suis honnêtement tenté hein, quand même, hein, par contre. Hein. Je suis vraiment tenté. Parce que 5 mètres, c'est vachement bien. Et réduction de 20, c'est pas mal. Hein. On va pas le faire, hein, mais... Ouais, je suis tenté. Je suis tenté. Enfin bref, on a trouvé un pistolet qui a l'air pas mal. C'était ça. C'est un 9 mm. On dirait un Desert Eagle. Ce monstre pourvu d'une chambre à gaz utilise des très grosses cartouches. C'est un fusil intérieur d'un pistolet. Des trop grosses... C'est du 9 mm. D'accord. Attends, on peut voir les différences de dégâts. Ouais. Je suis pas très convaincu hein, sur l'utilisation de très grosses cartouches. Hein. Mais bon. Je veux pas dire, mais bon. Ah oui, c'est ça l'arme, l'attaque qu'on veut. Ça, c'est le truc qui va augmenter la charge direct en une balle. Alors, il faut virer. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud. Alors, grille-pain, écrochetage, ville fantôme. Ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, il y a Aspen. Mais est-ce qu'on n'a pas autre chose? Alors, justice parallèle, le traître, le psychopathe. Il a pris le contrôle de la ville de Montagnard Aspen. On peut aller à Aspen. Après, on a le traître. Localiser Liberty Buchanam, la fille du patriarche. Ouais, ça, non. Ça, Lucia veut que nous l'aidions à traduire en justice les responsables du massacre de sa famille. A commencer par Nellius Torsey qui a ordonné leur mise à mort. Nellius est installé dans les montagnes à l'ouest du Colorado Springs, entouré de ses armes les plus puissantes, de ses combattants les plus aguerris. Nous allons devoir explorer la zone pour le trouver. Je crois que c'est ce qu'on va faire. On va se concentrer sur cette quête secondaire. Mais par contre, on va prendre Lucie avec nous. Faut qu'on vire l'animal. Attends. Qu'est-ce qu'on va virer? On vire lui et on garde Jody avec nous. Après, je préférerais aller avec. Par contre, le pistolet, il est moins bien que celui que elle a, elle? Lucia? Je sais pas. Quan et Lucia.
got the motherfucker in my... Rangers, good to see you. Sure thing. Let's have a look. Shit, the Rangers! Wrong number! Sorry! Wait a minute. Are you about to shoot somebody? You kind of frown on that sort of thing. Hello? There you go. Anything else? I'll be here. Attends, pourquoi, c'est de quoi il parle là, la radio là? Always a pleasure. Vous êtes heureux de faire parler les Rangers? Frankly, great. Protect and serve, right? Things had grown stale with the Marshals. It felt like I'd reached the end of what I could do for the people there. Proud to be a Ranger now. Cool. Anytime. Hop. Ouais, non, son pistolet est nettement mieux. Son pistolet est nettement mieux. Vous êtes bien équipés les deux. Ça. Ça. Ah. Attends, toi t'étais en quoi? Marchandage. Je sais pas quoi lui en augmenter. Je vais mettre ça. Donc on pourrait passer à 10 en armes de poing. Ou alors marchandage à 10. Est-ce qu'on a un livre de marchandage? On a un livre de marchandage, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à la place? Les dégâts électrocution à toutes les cibles dans la zone autour de l'utilisateur. Applique électrocution. Ah, on a le cylindre IEM. J'avais même pas vu qu'on avait eu ça. C'est la même attaque que celui qui a le qui est au corps à corps en fait. Ça c'est pas mal ça. Il n'y a que Zeus en fait qui peut l'utiliser, mais Zeus il a le truc d'Intello donc. Ouais. Toi du coup. Donc marchandage on peut l'augmenter au max avec le livre, on va faire ça. Nickel. J'ai envie de lui mettre arme de poing au max. Mais il n'y a que elle qui a arme de poing vraiment. On a fait une précision charmant et malcro du explosif. Modificateur d'armure. On pourrait mettre survie à 6. Comme ça on prend l'avantage. Mais bon. Je pense que le mieux ce serait quand même l'arme de poing. Comme ça c'est fini. La survie on peut l'augmenter comme ça. Si un ennemi vous touche en mêlée, toutes ces attaques que vous infligez contre lui au tour suivant fait 50% de dégâts, points de dégâts. Ça, ça peut être intéressant, mais c'est un peu... Le QL, c'est surtout du pistolet. Genre, tous les trucs au fusil à pompe, c'est pas vraiment intéressant. Non, mais je crois qu'on va attendre pour la survie, pour le moment. Ouais, on va attendre pour la survie. Non, faut aller à la voiture. Et lui aussi, il est bon.
Time to take some chances and expand man's horizons. I wonder if there will be conflict. C'est parti. Donc... Je suis allé trop vite, ça a pas coupé la radio en fait quand j'écoute au-dessus. Donc justice parallèle, donc ils disent... à l'ouest de Colorado Springs, dans ses armes puissantes, ses combattants les plus acquéris. Donc c'est à gauche. Ah, c'est peut-être la montée là. Okay. On peut y aller là où c'est radioactif x3 là, non? Non, c'est bon. Rocheuse. Zéro chéro, c'est un nouveau ça. Feu, c'est lumineux indiqué. Ouvert, s'allume. Rangers, it's you! Welcome! Zero Pricely at your service. Maybe you're wondering why the scion of an eminent Broadmoor family is traveling the way selling things out of a trailer. Why? To prove myself, of course. I don't need daddy's money. I'll make my own. Okay. But first, a gift. The heroes of Colorado. Oh, putain. You've done so much for the 100 families, and I doubt those ingrates even thanked you. So, allow me. Here. Ah, toi, je te kiffe, toi. C'est agréable de vous parler sans famille, sans la seule personne à avoir du goût dans les environs. So kind of you to say so. Reading does matter, I always say. Ça tue qu'on est quoi avec nous, ça tue. Take your time. Zero Pricely's products are priced to please. Alors, fais voir. Ouh, c'est quoi ça? Ah bah c'est stimulant de combat, ça tue. 90. Après les balles... Je sais pas si les choses sont chères ou pas en fait. Ouais, c'est pareil, du pareil au même. C'est quoi ça? Ok, on va regarder ça après. Par contre, il y a un truc que je voudrais voir, c'est peut-être les bières. Enfin, on s'en sert pas vraiment. Non, on s'en fout, non, c'est bon. Allez, ciao! Je suis un peu déstabilisé, je m'attendais pas à voir un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que tu m'attends? Une arme récemment mise à point a été rendue très lourde pour compenser le recul généré par ces cartouches explosives. Donc, on a un fusil à pompe explosif. Ah, c'est... Ah oui, bah du coup, c'est un peu mieux, quoi. Alors, les dégâts sont un peu moins élevés. Mais du coup, ouais, c'est grosse pénétration. Est-ce que ça réduit la défense? Non. Télécharge de 8 PA3. Ouais, faut d'abord voir ce que ça peut faire, parce que c'est vrai que les dégâts sont pas énormes énormes. En fait, il faudrait quoi? Arme de poing avec genre avec de l'explosif? Ouais, ouais, c'est ça. Il faudrait de l'explosif en fait. Genre là 101, 149 ça passe. Et là ça descend. On va voir un peu ce que ça donne. On va le tester. Mais ouais, ce serait mieux d'avoir un mec qui fait de l'arme de poing. Et qui est explosif. Embuscade. C'est des drôles. Ok. Ah,
Je crois que c'est des drôles, mais chaud. Ah ouais, c'est que des drôles mêlés là par contre, avec un chef. Ouais, il y en a un peu beaucoup. Donc là, ça fait 3. J'ai envie d'aller... Ah putain, mais là, on va pas pouvoir les tous les tuer, donc merde. Voilà, ces trois là ils me font un peu chier. C'est pas mal. Ouais, je pense pas que ça va... Enfin, il est bien le truc, hein, mais je pense pas que ça soit vraiment utile pour elle. Comme j'ai dit, il faudra absolument que ça soit du quelqu'un qui est explosif. D'abord tirer sur les 3, 6. 1500. Ah, j'arrête pas d'éternuer à cause de la chaleur. Je sais, ça a pas de sens. Bon bah voilà, c'est bien passé. Le clone, tu nous fais chier. Les trois, ils sont juste devant le Marshal. Ouais, ouais, c'est pas mal. Excusez-moi. Ah là, je vais mourir. Ah mais attends. Voilà.
Bah voilà, déjà on a... Ouais, on a résolu quand même pas mal de problèmes. Je crois qu'on a résolu pas mal de problèmes. Merde, je crois que je touche le... Non, ça va. Vraiment pas fan du fusil à pompe, c'est con hein, s'il avait l'air bien. Ça devrait aller. On va lui rouler dessus à lui. Enfin, si je passe. Yeah, let's go. Nickel. Ouais non, c'est vachement bien, mais enfin c'est stylé, hein, mais encore une fois, à moins qu'on commence à lui mettre genre explosif, le fusil à pompe va pas faire des miracles. Je vais être honnête. La tactique est mieux pour le moment. Après, ça passe à travers... ça passe à travers... Mais bon, de toute façon, elle... Ouais, non, comme j'ai dit, hein, elle... elle, c'est au pistolet... Le pistolet est plus intéressant. Bon. On tire quasiment jamais au fusil à pompe, en fait. Mais on verra, on verra. Je vais essayer de tirer avec celui-là, là, le tactique. Voir si ça fait quelque... Si on fait plus de dégâts. Je l'ai tellement peu utilisé qu'au final je sais pas vraiment. Pas de la musique country s'il vous plaît. Putain, on s'est fait une ambitieuse. Après le feu, les silhouettes surgissent des ténèbres et début ambulent. Elles hurlent et réclament la mort. Des drôles. Encore des drôles? Il n'y a que des drôles ici. C'est parti. Bah voilà, on va pouvoir tester le fusil à pompe.
C'est reparti. T'es encore heureux qu'on a le Kodiak bien augmenté. Arrêtez de faire du bruit tout le temps là. Peut-être se reculer un tout petit peu quand même. Ah merde, c'est le Marshall. Putain. Oh yeah. Pas grave. Jambes. Nickel. Let's go. Très bien, très bien. Donc ouais. Donc ça vient de se produire. Après, j'ai envie de dire que maintenant ils sont tous paquets. Donc. Tutut. Voilà. Je crois que c'est pas mal là. Oh putain, il y en a encore là. J'ai pas vu. Pouh. Waouh, pas mal. Ça va me péter à la gueule. Non mais sans déconner là, 2 x 95% et ça loupe. Toi, tu fais un peu chier en fait. Je crois que on va avoir des baffes. On va se prendre des baffes. Ça va, ça va. Lui, il fait pas de mêlée, hein. Il fait que du de loin, mais c'est juste qu'il buff tout le monde, en fait.
peut faire. Voilà. Nickel. You need to be put down. Très bien. Alors, on va devoir soigner après les gens, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est mis vraiment sur la bordure, du coup on peut pas l'écraser, c'est intéressant ça. Genre... Ouais, je peux pas. Bouh. Après je peux faire ça. Il va le finir. On va devoir combattre des cannibales. Alors, on fait voir un peu. Toi, non, ça va. Ok, vu que je sais pas comment ça va se passer, autant se piquer et se mettre full vie. Ou quoi? Allez, c'est parti. Ripaille du cannibale. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, entrer dans la zone. Une ancienne carrière taillée dans un canyon. Les résidents actuels ont fortifié l'entrée. Une odeur de viande en train de cuire flotte dans les airs. Vous avez l'air ok, comment ça se passe? Bonjour. Howdy, strangers! Y'all here for the barbecue? Ok, vous avez l'air tous cinglés. Quelle délicieuse odeur! Pouvons-nous rentrer? Nous mourons de faim. Nous avons entendu l'appel de détresse à radio, nous sommes ici pour enquêter. Oh, help yourselves! And make sure to say hello to the boss while you're at it. If you ask real nice, he might even let you take a turn on the spit. Ok. Hey there, partners. Name's Roland Gibb. Welcome to my jamboree. Now step right up and get yourself some grub.
Ok, ça c'est un corps. La voix radio disait vrai, vous faites gré des gens en barbecue. And why not? I reckon it's the easiest meat to come by these days. The weak and the stupid die so the strong can survive. Either you're a cowpoke or you're a cow. What's it gonna be, friends? Gros dur attaquer. Oh, attaquer 8, c'est bien. Enfin, gros dur 8, pardon. Nous sommes pas vos amis, espèce de malade mental. À vos yeux, nous serons l'apocalypse. Espèce de psychopathe, c'est fini. Ouais, c'est pas mal. Hein. À vos yeux, nous serons l'apocalypse. Alors, attendez. Nous ne sommes pas vos amis. Espèce de malade mental. À vos yeux, nous serons l'apocalypse. You can't talk to me like that. I'm Boss Gif. I run this here cow drive. Get 'em, cowpokes! It's chow time! On va vous massacrer, les cinglés, là. Je peux voir un peu. Excusez-moi, je peux vous écraser? La voie est bloquée, putain. Ah mais attends, ils sont pas activés. Ouais, on va voir. On va voir. Qu'est-ce que je vous dis? Donc, ouais, lui, on les a découragés. J'ai entendu le son et ça a découragé tout le monde en fait de leur répondre comme ça. C'est ça qu'on a gagné. Alors, Thunder, Thunder, t'es méga loin. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est l'heure du combat. Ce qui serait marrant avec Thunder, c'est qu'on pourrait se mettre à dos contre elle. Dans XCOM, il y avait ça. Où je crois qu'on augmentait... Enfin, on avait un mecha, ou alors on augmentait des gens, et on pouvait se mettre... se cacher derrière eux et tout. Ah, on a une tourelle ici. Une tourelle lourde en plus. Bah merci. Merci bien, j'ai envie de dire même. T'as quoi comme arme? Putain, ça lance flamme évidemment. Sans déconner, tu la one shot. Bah ouais. Bah, je voulais bien que ça soit Sentinelle qui one shot, qui le tue quoi. Mais c'est pas si mal, hein, j'ai envie de dire. Alors d'abord, je voudrais bien tester ça. Après, c'est un peu aléatoire, hein, les dégâts, mais ça fait un peu plus de dégâts quand même celui-là. Non mais ouais.
Lucia qui prend toujours très cher. Et eux, on les défonce ou pas? T'as beaucoup de PA là. Ah, en plus, elle est habillée. On dirait un. On dirait. Comment ça s'appelle? Ah putain, comment il s'appelle? Genre Doom Guy avec son équipement. Ah, mais y a un mec là, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ah non. Arrêtez de me changer le personnage automatiquement quand j'en sélectionne un autre. Ça c'est gavant, ça va rendre. Attends, on va faire un tir sécurisé. Ouais. Ça servait pas à grand chose en fait. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y clone, vas-y défonce-lui la gueule. Ah, encore un coup de poing. Ah, il y a le doyen qui est en feu aussi. Faire gaffe. Du mêlée, du fusil à pompe. Du mêlée, du pistolet, ok. Ça marche. On va attendre que le feu se calme là, parce que c'est un peu la même. T'auras plus de vie. Parce que toi, il faut que tu restes en vie, toi. Ça marche.
Ok, Feuille s'est calmé, c'est bien. T'es obligé de faire tout le tour comme ça? Ah, parce que ça te bloquait avec lui. Nickel. Ah merde. La tête. Non, ça va pas le tuer de toute façon. On va le mettre en bras. Ah, très bien. Elle, pour le moment, elle est encore buffée. Merde. J'ai pas envie que les autres viennent dans nos fesses, en fait. Zeus, tu vas jouer au tank. Encore du feu. Il n'est pas inifugé, hein, l'autre. Alors. Nickel. On va se mettre là, parce que ça explose. Enfin, quoi que, peut-être qu'il a porté de l'explosion, je sais pas. Il faut qu'elle passe là, du coup. On a combien, 50%? Raté, putain! De merde. Soignez-lui. Ouh, le doyen. Oh la pute. Bien joué.
Ouh, tu t'as pris cher, hein. Avec 3 dots comme ça. Arrêtez d'aller dans le feu. Il est passé où le doyen? J'ai pas vu, j'ai eu un moment d'inattention. Il est là le doyen. Non, elle va pas prendre feu. C'est putain que si. Très bien. Attends. Les gens qui brûlent là. Bon, ouais, on a l'air d'être bon. Ok, nickel. Nickel. On a pris les niveaux. Alors, on va force. C'est quoi ces musiques encore? Alors, commandement. On n'a pas commandement de livre commandement. Non, on n'a pas. Donc on va attendre. Avantage, on a un avantage et on a dit qu'on voulait. J'en sais strictement rien. Cinq d'esquive, je sais pas si ça change vraiment grand chose. Moi, il y a les vastes poches qui pourraient être intéressantes, en fait. Mais le truc, c'est qu'est-ce qu'on mettrait? D'autres types de grenades? Genre des fumigènes? Fumigènes, c'est pas mal, hein. Check édition de la cible, capteur électronique. On sait qu'un nuage de fume persistant et dissimule quiconque soit à l'intérieur, en considérant son esquive. Ouais. Je sais pas. Pour le moment, on touche à rien. Ok. Nickel, c'est quoi ça? Collier de phalange. Super. Liaison paralysante. Clé de l'atelier. Okay, nickel. Paralysante, on connaît pas ça. Voilà. Dégâts 8. Crée une chambre de compression et un système de gestion des gaz d'échappement sur mesure. Cette liaison enrobe les balles d'un coussin d'air, ce qui augmente considérablement l'impact, brisant les os, marquant les parties molles. 50% d'enchant d'appliquer ralentissement. Ah, ralentissement, d'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un des petits, hein, c'est 300 et quelques de ferraille. Mais c'est utile, c'est pas mal. Ah,
C'est l'armure assistée dans laquelle on devait récupérer. Et qu'on n'a pas aidé là. Canon à chèvre. Pour donner des gros coups de boule à vos ennemis. Ok. L'armacé est bien entretenu, mais on dirait qu'il lui manque plusieurs composants importants. Personne ne va l'utiliser de sitôt. Ah merde. C'est pas l'armure assistée que. Qu'on devait récupérer ? Amélioration de véhicule turbo. Requiert module IA fléau. Vitesse sur la carte du monde plus 33%. Ok. On va faire ça, ça fait de l'expérience. Tourne disque. Calotte, armure 7. Elle s'adapte à votre tête comme un zizi et elle sent un peu comme un zizi aussi. Ok. D'accord, cool. Attends. Ça a l'air pas mal en fait. Armure 7. Résistance, froid, énergie, feu, explosion. Désolé, mais je veux pas dire, mais là ça l'emporte là. 25%, c'est énorme. Le mieux, ce serait même de le mettre sur le mec corps à corps, peut-être. Parce que c'est lui qui est le plus exposé, je dirais. Après, ce serait bien sur Thunder, hein, mais bon, Thunder, on va garder ça. Parce que c'est bien quand même, c'est classe en fait. Après les bonus de soins et tout, c'est quand même utile hein, quand elle a son régène et tout. Quand elle a son régène et tout, ça fait énormément d'HP en plus quand même. Et j'avoue que là... Ah, c'est moche. Bon, allez, t'as de la chance. Vu que c'est trop moche, on te le met pas, t'as de la chance. T'as beaucoup de chance, même. Ah, merde. Crochetage niveau 1, lol. Crochetage niveau 1. Y'a personne qui a des points de compétence. Y'a rien pour crochetage. J'ai rien pour crochetage. On va pas perdre des points de compétence comme ça. Attends, est-ce qu'on peut la défoncer la porte? Ah, mais y a rien dedans en fait. On peut aller là? Non. Qu'est-ce qu'on fout là? Attends. Yay. Mais il y a strictement rien. Je sais pas si on n'a pas loupé un événement ici. Je pense qu'on va de... Oui, voilà, oui. On va devoir défoncer. Oui, non, mais venez tous, en fait.
Nickel. C'est parti. Alors, il y a Val le cowboy. Alors, il y avait Val le cowboy. Il vient de se prendre un 10600 dans la bouche. Merde, c'est pas ça que je vais faire, c'est pas grave. On va se mettre là, on va se mettre en défense. Ah merde, t'avais pas rechargé ton arme, bravo. C'est vrai qu'on a la tourelle là. Nickel. Nickel, nickel. Très bien. Nickel. Trop. Parfait. Tu au pic. Tête. Yes. Alors, je voudrais bien la tombe. Voilà. Oh, c'est ça. Ah, ça a pas marché. Ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être sympa. Ah non, c'est bon. Nickel. Toujours lui qui me fait chier. 69. Ah, mais j'ai pas besoin de bouger.
Nickel. J'aurais dû commencer avec lui, putain. J'aurais dû commencer par tirer avec Kwon. Ok, nickel. On va faire ça. Ah, les tourelles qui se tirent les unes sur les autres, c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver le générateur. Oh, c'est mal ça. Voilà. Nickel. Parfait. Bon bah on a fini. On peut se casser. C'est le mec qu'on recherche. Par contre, je voudrais toi. Ah, nickel. Perso, t'es déjà monté de niveau ou pas? Yes, quoi. Quan, gros dur. Mettre une fois qu'on aura gros dur à 10 mais avec 2 points en plus, faudra mettre tout dans arme automatique, comme ça on a ça, le dernier truc. Et après pour le reste on verra. Ouvrir par la force. Je crois que si jamais on part. Ah, attendez, j'ai envie de tester. Si jamais on part, ça disparaît, je crois. Parce que c'est aléatoire, ces trucs-là. Ou même si on, genre, on va dans une zone et on ressort, ben voilà. C'est complètement aléatoire. Ouais, c'est complètement aléatoire, donc ça sert à rien de. Genre de partir ou quoi que ce soit. Ouais, même quand on recharge la partie, quoi, c'est pas la même chose. Ça, c'est un peu. Ça c'est incroyable, ça. C'est vraiment évité pour. Enfin, c'est fait pour éviter de. Comment dire. Family O, l'air dit. D'abuser, en fait, du truc. Always good to see you, Rangers. Hoping to get to Colorado Springs any day now. A little trading with you would help. What do you say? Alors, on va prendre soin de vous. That's good to hear, Rangers. Thank you. We'll spread the word in the camps. Oh, thank you. It ain't much. Pas grand chose. Ça. Attends, on peut les améliorer ces trucs là, mais bon. Munitions, on n'a pas vraiment besoin. Tout est cher. Pourquoi c'est 9% bonus de marchandises? Pourquoi c'est pas 10? Ça me rend fou par contre. Ok, ça marche. On arrive.
Désarmer le piège. Nickel. Casque de commando. L'armure de commando. On a eu tout. Ah, c'est pas. Donc le set de commando, c'est pas avec de la précision. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais. Ouais, c'est stylé, hein. Attends, armure d'éclaireur. Armure 7 tactique. Armure de trooper 10. Hop. Le casque, on peut pas le changer parce qu'il y a gros dur dessus. Attends, combien ? T'es à 9. Le casque. Armure 6. Non, on va la garder, on va la laisser avec. Avec des bonnes armures. Attends. Bah du coup on met ça. Comme ça elle a de la précision en plus. Armure de commando un peu augmentée. On va continuer. Je suis content qu'on ait trouvé full commando, sympa. Je me demande s'il y a des sets. Enfin, je pense pas, parce qu'on aurait trouvé quand même. Genre si vous portez 3 parties d'armure, vous avez un bonus. Ça aussi c'est pas mal hein, de faire ce système. Clôture cachée, truc dingue, on dirait un vieux pavé numérique. Ok, bon, qui était en train de le faire. Prenez ce que vous pouvez partir. Prendre ce que vous pouvez. Et c'est quoi cette fiole? Ça sent bizarre. Votre ego ouvre les yeux et découvre que vous êtes tous allongés au sol. Vous vous sentez bizarre, pénétrant des fioles dans le frigo et continuez à fouiller encore étourdi. Tâchez même bousiller. Reprenez la roue, ça valait vraiment la peine. Chargez le boulot de matériel dans le Kodiak. Qu'est-ce que c'est tout ça? Composants de fabrication. Une petite cage rouillée avec des barres pliées et un petit mot attaché à la serrure qui dit 3 règles. 1, pas de lumière. 2, pas d'eau. 3, pas de nourriture après minuit. Ah, c'est un Gremlins? Oh, on a recette. Tête d'Earl. Ah, le tête du synthétique nommé Earl, ok. Cellule toxique. Une fois fixée, cellule délivre lentement des toxines sur la surface de contact de l'arme. Ces armes de mêlée, c'est ça? 100% chance d'appliquer empoisonnement. Ouais, les armes, sur les armes de mêlée, c'est bien ça. C'est intéressant.
toi à droite. Mais ils se font attaquer par quoi ? Oh. Une cache, l'ouvrir. Ok, cool. Il y a un truc aussi, c'est qu'on a... Ouais, on a récupéré un truc pour le Kodiak, là. Je voudrais bien voir ce que c'est, mais bon, on est loin, maintenant. Enfin, on est proche de d'où on doit aller. Non, mais attends, là, on est périphérique d'Aspen. Du coup, on n'est pas du tout en train de faire ce que je veux. C'est les montagnes de l'ouest de quoi entre ces armes. On s'est intercepté une appel radio parité provenant du combattant de Dorset dans les montagnes occidentales. Nous devons passer à une panne fin. Et ça, le psychopathe. Ça, c'est la ville d'Aspen. Ah, mais moi, je veux pas aller à Aspen. On va redescendre. Okay. Here we go. If anyone can hear me, the elves are in danger. We need help. Seta has been... He's a tyrant. Okay. Encore un petit bout qui a besoin de notre aide, Kelvin. Vous entendez ça que j'ai? Negative, Team November. I did not copy. I definitely did not hear an elf cry out for help from the tyranny of Santa Claus. Okay. Just kidding, Team November. Sending you the coordinates of the signal. Hopefully it's not as bad as it sounds. Over. Je sais pas quoi dire. Au bout d'un moment, vous savez, on sait plus. Hein. Ok. Atelier du Père... Allez, Atelier du Père Noël, pourquoi pas. On n'était pas parti pour ça, mais... Allez. Qu'est-ce que je vous dis? Ah, on sait plus, hein. On arrive tellement à un degré de folie que... Moi, je sais plus. Moi. Que des biches. Ok. Donc le Père Noël est un tyran. Bonjour. Mon Dieu, il y a vraiment le Père Noël. Ah, faut du crochetage. Bon, maintenant on y est, on va avancer, mais il faut du crochetage partout, quoi. Qu'est-ce que... Crochetage niveau 10 en plus. Bon, allez, on avance. Oh, holy shit! What are you guys doing here? Are you lost, little rangers? Parce que je voulais aller récupérer Jody, mais je me suis dit peut-être qu'on va avoir un événement ici et on va pas la voir si on revient. Alors, c'est un appel de dresseur. Est-ce que vous maltraitez vos ouvriers? À quoi consiste votre business exactement? I assure you, everything is on the up and up, just like my sleigh will be when I'm ready to deliver the goods. I mean, presents. D'accord. Why don't you have a look around? You'll see that everything is fine, just fine. Rangers. Oh, c'est elle. Talk with Santa here. Tell him there are fresh cookies in the kitchen. He can't resist.
Hold on there. Do I hear whining from one of my elves? Va bouffer des cookies, toi. Ça sent un biscuit, vous sentez aussi? Cookies? Oh, I love a good cookie. A pecan chocolate chip, or salted caramel crunch, or oh, a minty chocolate chip. Ew. Let me have a look at what's baking, and I'll be right back. Ok. Let's go. This isn't a toy factory, Rangers. We are slaves and produce a terrible drug called brain candy. You can find the recipe in his shack out back. Maybe you can use it as proof for leverage. Oh no, he's coming. Dans sa cabane. C'est quoi ça? Putain, classe. D'accord. Ouais. Oh, on peut passer. Oh mon dieu. Coup les chaussons dans ce rock. Oh mon dieu. Nickel. C'est l'heure de se piquer. Bien. C'était pas vraiment le résultat que j'attendais, c'est pas grave. C'est un peu mieux ça. J'aurais dû peut-être les... faire l'habilité. Oh, il faudrait peut-être que je regarde à gauche aussi. Ça va. C'est son truc qui a explosé, je crois. Ah, mais ça l'a tué! Ah, ouais, d'accord, c'est. Ah, oui, non, c'est hardcore en fait. Je pensais que ça fait des dégâts, mais pas que c'était. Oh putain, t'es sérieux?
Désolé. Nickel. Allez, encore un petit coup. Bon, mais maintenant on sait ce que ça fait, hein. Le genre, le truc qui explose, quoi. C'est un peu extrême quand même, ça te one shot. Ça one shot tout simplement. C'est quoi ce bruit? Oh, crochetage encore, putain. Crochetage. Merde, ils sont activés. Nickel. Did I pass out? On va se mettre là. Ouh, il y en a un peu plus que ce que je pensais. On va se placer à droite. Hop. Tout va bien. Il y a énormément de crochetage ici par contre. Hein. Faut absolument revenir avec Jolie. Je sens qu'il y a des bons objets à récupérer. T'as les mecs, vous êtes mis dans... d'une façon où je peux brûler rien du tout, quoi, sans vous toucher, quoi. C'est horrible. Je vous déteste. En faire deux. Trois, cinq. Attends. Yeah! Nickel. Pas mal.
pas mal. Sont pourris les pourcents. Ok, nickel. Ok, ça brûle bien. Nickel. Mets-lui une balle à la tête. Explose-le. Yes. Nickel. Doré. Gone. Voilà. GG Fireteam. Est-ce que ça a récupéré le... Ouais. Oh mon dieu. C'est quoi ça? Hein? À griffe, ça fait du saignement. Non, non, mais il faut absolument revenir avec du crochetage, quoi. Parce que là, je peux rien faire. Ah, ouais, non, mais je peux absolument rien faire. En crochetage. Bon, bouge pas, on va revenir. On peut peut-être lui parler à lui, par contre. Hello again, my little busybodies. Ça veut dire que business cache un réel, cache le drogue, parle un peu de votre atelier, Père Noël. Au revoir, Père Noël. Ça marche. À part le confronter, je pense tout simplement tuer tout le monde. Parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Je vois pas d'autre façon, en fait. Donc du coup, il faut faire du crochetage. Donc ouais. Copy that. Toes on the way. Je vais être honnête, j'ai été faible. J'ai acheté un paquet de bonbons, j'arrête pas d'en bouffer pendant que je joue. Vraiment con de faire ça. Be badass. We take the treads off the Kodiak and replace them with tractor tires. Hell yeah. Peut-être
pneus de tracteur. Ah, tu veux dire genre les trucs géants? Ouais, mais non, mais les chenilles, c'est mieux. Dis pas de conneries, je le dis. Arrête. Dis pas de bêtises. Ok, c'est bête. Alors. Canon chargé avec une chèvre qui délivre plus qu'un coup de boutoir à l'impact, à recharger avec précaution. Donc on tire des chèvres. D'accord, ça me va. Au bout d'un moment. Hein. Ça récupérera aussi vite que vous êtes mis. La vitesse de déplacement est substantiellement augmentée sur la carte du monde. Requiert une IA avancée pour surveiller et réguler les niveaux thermiques pendant l'utilisation. Donc ça marche que si on a fléau. Ouais. Que si on a fléau. Oh! Ça pète. Nickel. Non, ok, t'as pas monté de niveau. Nickel, nickel. J'ai pas vu de grippin par contre. Ça, j'en sais rien. Je pense pas. Après, l'armure de ce qu'on a là sur Sentinelle, elle est jolie. Mais je pensais quoi qu'il y aurait eu de la précision ou des trucs comme ça. Mais après, bon, après, elle est très stylée. Wouion. Non, tais-toi. Ah, c'est là où il veut aller. Non, mais nous, on va au truc du Père Noël. Ça m'intrigue. Ne jamais commencer quelque chose qu'on ne peut pas finir. Donc on va... Oh putain, c'est vrai que ça va vite, c'est sympa. J'avoue que c'est cool. J'avoue que c'est plutôt cool. C'est vrai que la map, elle est quand même grande. Fouiller la zone. Charmeur d'animal. Ouais. Je sais pas ce que ça nous fait. Merde. Les éviter. Désolé, je suis en mission, j'ai pas envie de... bouffer les animaux. On aurait pu faire le combat honnêtement, hein. J'ai le temps et tout, mais j'avais pas envie. J'avais envie juste de finir ça, là. Enfin, d'élucider le mystère. Et puis après je fais une pause. Ah oui, toi par contre. Vas-y, prends une biche. Ouais, nickel. Alors, j'imagine que ça, on va pas pouvoir le faire, parce que c'est un peu à côté d'eux, donc on va faire tout ce qui est dehors. Ok, là.
Allez, jeudi. On y va. Là, on a ça. Alors, objet clé, recette de drague. Ah, ok, c'est ce qu'on... C'est la drogue, c'est ce qu'on voulait. Oh, statue ? Enfin, poupée ? Ah non, tenue de lutin. Apparence déverrouillée, tenue de lutin. C'est quoi ça ? Chat neuf à queue de sucre d'orge, composant de fabrication. Oh, jambier Chemtech ! Oh, j'en connais une qui va être contente. Hop là ! Full armor Chemtech. Donc ça fait quoi ? 8 armures et 15 de soins. Elle avait armure 12. Alors je sais que c'est un peu moins d'armure à chaque fois, mais... Ah, on n'a pas de truc. Attends. On peut fabriquer un truc qui augmente l'armure ? Non, mode d'arme. Non, armure. Non, mode d'armure. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça sur les... Ça se met sur quoi ? Sur les jambières. Emplacement rapide plus 1. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Ben merde alors. Enfin, on peut faire ça, mais ça lui sert à rien, elle. Mais ouais, on n'a pas grand chose en fait. Ça c'est bien ça. Qui vont. Wow, Constitution 45. Pardon. Bah merde, on a... Ouais, on a pas de protection. Ça. Panneau hydricaille. Je peux pas faire ça. On va devoir commencer à acheter en fait dans les magasins là les modes. Bon bah merde, qu'est-ce que je vous dis hein. Ça j'ai pas vraiment envie de le mettre. Bon, on va rester comme ça. Bon, c'est con parce qu'elle a perdu quand même pas mal d'armure. Mais elle est stylée. Elle est stylée. Alors, 6. 7. Nickel, let's go. On a les armures, on a l'armure complète de Chemtech. Ah attends, la fabrication. Genre on peut fabriquer un truc ou pas? J'ai mystère, banane triste et bocal à cerveau. Voir c'est quoi ça? Waouh, banane consciente. Ok. Ça parle mais ça répète tout le temps, tuez-moi. Je vais même pas chercher à comprendre. Objet mystère. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Votre aventure dans le désert commence ici. D'accord. Il y a des fois, il faut vraiment pas...
questionner. On avait des armes. Ouais, l'arroseur c'est pas mal, mais ouais, y a plein de trucs. Mini mitrailleuse, gardien. Ouais. Ok. Je mets la petite musique. C'est quoi ça? On devait sûrement l'avoir. Ok, bon, on peut le confronter, le mec, et lui péter la gueule. Content qu'on ait l'armure au complet. Vraiment classe, vraiment stylé. Ah mais attends. Ah mais elle a une autre modification. Le sac de chair. Ça c'est quand on a dû toucher la... Ah mais elle aussi. Mais lui aussi. Ah, on est trop resté. Dans la radioactivité. Bon, bah, je vais réfléchir à quoi mettre. Pour l'instant, il n'y a rien du tout qui me vient en tête. Enfin, quoique si, attends, oh là là. J'avais dit, toi, fumigène, ça peut être utile. Elle. Du coup, voilà. Toi. Alors, on a ça, mais on n'en a pas beaucoup. On a ça. Des leurres. Voilà. Bon mec, faut qu'on discute. Le cadavre de lutin est recouvert de traces d'explosion dans la remise. On a trouvé cette recette magique Père Noël aussi, ce qui se revend de la drogue. Fucking cares. Do you not know who I am? You can't touch me or my operation. But maybe we can make a deal? Alors, on partait en direction du nord, mon gros, on va petit pain, on ne plus jamais un seul morceau littéralement. Science, on peut vous aider à doubler la production, envoyez simplement la cargaison au QG des Rangers. What? Envoyez-nous le produit si vous voulez pas mettre la clé à la porte. Faites livraison régulière du QG des Rangers à toute discrétion. What? On peut vous aider à doubler la production, envoyez simplement la cargaison au QG des Rangers. Call me sentimental, but this reminds me of when I first started this operation. On va voir ce que ça fait, ça. You've got a deal, Rangers. I'll send double shipments of brain candy to Ranger HQ. Mais ça va faire quoi? Hello again. My... Well, from time to time, an elf might have... Well, you could say their bells are multifunctional. Hosting you was a great honor. Non mais elle, elle est... ça l'aide pas, quoi. Du coup, on a fini... Putain, continuera à travailler comme il le faisait. Going in Santa's office will get you on the naughty list. Ah, ta gueule. Ça, c'est bien. Alors, je vais être honnête.
Fusil à air comprimé Red Rider. Munition et pistolet de balle. Ah, bille, pardon, merde. Ok, cool. Attends. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Trop drôle. De toute façon, il a un deal avec nous, donc il va fermer sa bouche. On va retourner au QG, on va voir ce que ça fait. Utiliser le chemin de cloche dans vos accès ordinateur, arrêter le processus actif, lister des enfants méchants sur le serveur, ouvrir le boîtier ordinateur des actuelles antennes, tenez accéder à un menu option. On va rentrer au QG, on va voir ce que ça fait. Si ça fait un truc négatif, on arrête. On recharge. Parce que je vois pas trop ce que ça doit... C'est de la drogue, quoi. Genre tout le monde va être drogué au QG. Ça marche. Je suis pas trop fan de ce que du choix là qu'on a fait. Merde, la radio. Je suis pas méga fan de notre choix. On va voir. Vous avez bien les gens. Vous êtes tous drogués, comment ça se passe? Rangers, what can I do for you? Happy to. Take a look. Il y a un spécial. Peut-être que lui, maintenant, il vend de la drogue. Rangers. What do you need, Rangers? Sure. Non. Il y a ça, j'ai envie d'en prendre. On a un paquet pour nous, ok. Rangers, good to see you. Got a weird one for you. Someone raided the kitchen, ate all the prepackaged cookies, chugged 3 gallons of bison milk, vomited everywhere, and left a very nicely wrapped package for you. Le mec, quoi. I'll be here. The Gippers now. I'll be here. Le truc, quoi. Alors, le Dragénie sert à vous donner l'impression que vous pouvez embrasser le ciel. Votre maman va être déçue. L'utiliser pour avoir 5 points de perception, 15% au taux de recharge de la jauge de frappe pendant 36 tours. Mais vous subirez ensuite une pénalité de 10% en esquive pendant 720 tours. Seringue dans un liquide vert étrange, c'est soit une substance sucrée, soit du jus de cerveau, prétend améliorer votre intelligence. Bon ben... Du coup, en fait, il nous a juste donné une... Whoa, sorry. Was that me? People fight when they get hungry. Just need a little more food to keep the ref. Only the best ingredients for my rangers. Temps liquide. Than what's coming out of my ass. You better check. Bon bah apparemment c'est juste 22 ou 12, je crois on a reçu. 22 Dragénie. Bah c'est tout. Ça a rien fait d'autre. C'est juste ça le paquet. Bon, c'est pas très grave, du coup, ça va. Can we help you with something?
Je pensais que... Ouais, je pensais que ça allait faire quelque chose de spécial. Bon. Bon, on se casse. Tant mieux. Ça se passe bien. Bon, moi je vais faire une petite pause et après je crois que on continue la quête. On l'a un peu expédié vite fait, hein, la quête du Père Noël, honnêtement. Hein. Là je suis un peu... Je me demande si on n'aurait pas pu faire plus. Ouais, je sais pas si on a fait, on a bien fait. Mais ouais, on a fait. Good luck out there. Here to serve. On a récupéré des trucs pour le véhicule ou pas? Enfin, tout à l'heure on en avait, mais pas des nouveaux cas. Ouais, non, je sais pas, je suis un peu confus, mais on verra ça. Du coup, on va sauvegarder. On reviendra peut-être voir Santa, là, le Père Noël, voir un peu ce qu'il a à dire de nous d'autres peut-être. Ok, il y a Zeus qui a monté le niveau. Mais ouais. Nickel. Thunder aussi. On peut lui mettre deux trucs à science, deux points à science étrange. Pourquoi pas. De toute façon, faut bien monter. Ça lui augmentera les dégâts au lance-flamme en plus. Bon bah nickel. Ouais, allez, on valide. Parti sauvegarder. On valide ce qu'on a fait avec le Père Noël. De toute façon, on s'en est ressorti avec genre l'armure Captech au complet. Enfin, les jambières là qui nous manquaient. Ça s'est bien passé. Thunder est maintenant extrêmement puissant. Quasiment 500 points de vie. Très bonne armure, très bonne résistance. On a 7 800 $. On a plein d'armes encore à détruire ou à vendre. On a 5 000 de ferraille. Honnêtement, ça va. Honnêtement, ça va très bien, j'ai envie de dire. On a bien rattrapé les lacunes qu'on avait. Donc ça se passe bien. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.